En général, où les poissons sont-ils stockés? D'habitude, les bateaux ont ce qu'on appelle une sentine au fond de la cale. Ça permet à l'eau de circuler sur les poissons. Mais les plus grands bâtiments ont des compartiments réfrigérés. Vous savez pourquoi Wong n'avait pas de sentine? Non, c'est peut-être qu'il n'avait pas les moyens de se payer ça. Ça aurait pu être dans une cale sèche, à vrai dire. C'est plutôt bizarre, en fait, j'en ai aucune idée. Il y a longtemps que le poisson se raréfie ici? Un bout de temps, oui. C'est la pêche excessive qui est à l'origine, mais ces deux derniers mois, ça a empiré terriblement. Presque tous les petits ont quitté le boulot. Wong est le seul qui ait pu tenir le coup. Enfin, était. Si on allait jeter un coup d'œil sur le Tarakan. Bien sûr, ouais, il est pas loin d'ici. Venez. D'accord. Seattle. Enfin, une vedette garde-côte, le Stalwart, a vu le feu à l'horizon et s'est dépêché de les rejoindre. Mais ils ne sont pas arrivés à temps, aucun membre de l'équipage n'a survécu. Combien d'hommes étaient à bord? 9 au total. On n'a pu retrouver que 4 cadavres, les autres sont supposés perdus en mer. Comment le feu s'est-il déclaré? Cause indéterminée, personne ne le sait. Regardez ça. Le feu semble n'avoir touché que l'extérieur de la coque. La cabine et l'intérieur n'ont pas brûlé du tout. Ouais, excellente remarque. Ils auraient été tués par un feu qui n'a brûlé que la coque. Et au fait, quel genre de feu peut brûler la coque d'abord? Ça, je ne sais pas. Les enquêteurs, c'est vous. Est-ce que je peux vous laisser? Je dois aller remplir plein de dossiers. Vous savez, quand il y a un cadavre, la paperasse s'accumule. Oui, allez-y. S'il y a autre chose, je vous téléphonerai, merci. Aucun problème. Bon, ravi de vous avoir vu. Je vous faxerai les numéros de téléphone. Bon, c'est juste entre toi et moi.
Dis-moi si tu vois quelque chose. Viens avec moi, j'ai une chose à te montrer. Regarde ces traces là, sur le côté de la cabine. Ça a quelque chose d'angoissant. Qu'est-ce qui a provoqué ça? J'en ai pas la moindre idée. Ça me rappelle des photos que j'ai vues sur Hiroshima. Comment ça? Eh bien, le souffle de la bombe avait tracé au sol les silhouettes des gens. Je ne sais pas pourquoi, c'est un souvenir vague, mais j'ai vu ces images quand j'étais petite. J'en ai eu des cauchemars longtemps après. Apparemment, jusqu'ici, je n'ai pas beaucoup de chance. Ça semble intéressant. On dirait du cyrillique. À Seattle, la police a un corps spécial pour la contrebande en provenance de l'ex-Union soviétique. Ils ont même un traducteur à plein temps, je lui ferai traduire. Toi, tu ferais pareil, j'en suis certain. Bien sûr que je ferais pareil. D'accord. Bon, ça a été facile. J'aurais juré que tu me ferais plus de difficultés. S'il est vrai que la police peut nous aider autant qu'on s'en serve. Bien, c'est tout à fait louable comme attitude. Je déteste qu'on reste abâillé aux corneilles. Il me semble que la précédente enquête a manqué de rigueur. On n'a plus qu'à passer l'ensemble des lieux au peigne fin. Je pense qu'on a déjà effacé toutes les empreintes. Oui, on dirait. Ça doit remonter à la première enquête qui a été menée. Tiens. Bizarre. On dirait qu'il y a de nouvelles empreintes par-dessus les précédentes. Quelqu'un a pu poser la main à cet endroit après qu'on est venu nettoyer, ou un flic a fait une bêtise, ou une autre personne est passée. Bon, il faudra les faire relever.
Je sens qu'un indice majeur vient de nous échapper.
Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Eh, fais un peu attention. On se détend. C'est le genre de truc qui peut exploser. Et vu son poids, c'est une chose possible. Il faudrait peut-être le confier à un spécialiste. Allez, un peu de sang-froid. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu devrais te contenter d'un café par jour. C'est vide. Ah, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais ça devrait amuser les types du labo. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive?
Agent Wilmore, le fils prodigue est de retour. Eh, soyons concis, hein. J'aimerais avancer.
Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. John, c'est Craig. J'ai besoin d'un relevé d'empreintes. Un boulot sur le terrain, c'est ce que je préfère. Où ça? Dans les docks. De nouvelles empreintes ont été déposées par-dessus d'autres plus anciennes qu'on avait déjà relevées. J'adore ce genre de défi. Tenez-moi ça bien au chaud, j'arrive. Inspecteur, un appel du bureau du coroner, à l'instant. On a continué l'autopsie de M. Wong. Il y a du nouveau. Je crois que nous allons filer chez le coroner. J'ai hâte de savoir.